La Beaujoire hier soir, Claude Simonnet, vous étiez au match et après simplement 26 minutes de jeu, Jean-Michel Ferry récupère un ballon qui traîne. C'est le troisième but de la saison de Ferry. Superbe centre de Pedros qui avait bien vu Aubry avancer et Ferry qui a suivi. Nantes mène 1-0 et ce ne sera pas le score à la mi-temps. Le disait pour Ziani, le ballon qui file devant le but et Endoram plat du pied, c'est superbe. Nantes mène 2-0 après 41 minutes de jeu. Le centre du petit numéro 10 nantais Ziani. Et regardez tout le sang-froid de Jafet Endoram qui faisait sa rentrée après une blessure à Montpellier. Nantes mène 2-0 à la mi-temps. Nous voici en deuxième période avec Pedros et un tir bien stoppé par Aubry. Attentif, président, c'était un bon match? C'était, enfin, je n'ai vu que la seconde mi-temps, mais c'était un match agréable. Car hier, vous avez fait un aller-retour à Nantes après votre élection. La fin de match maintenant, avec un ballon qui circule d'un côté à l'autre. Superbe, cette tête de Nicolas Houellec. 2-0, ce ne sera pas le score final, puisque les Angevins vont revenir à la dernière minute. Un but gag venu de la gauche. Il sera signé Guerra. Regardez David Marot, il est un petit peu avancé, il l'a vu Guerra et ça passe sur sa droite. De Martini y croit encore, il reste 2 minutes à ce moment du match. 2 minutes, dit le coach Angevin. Mais les Angevins ne reviendront pas et au contraire, la dernière occasion sera nantaise avec Patrice Loco. Mais le ballon termine dans le petit filet d'Aubry. Score final, Nantes des images.